Je suis dans InDesign, je fais un nouveau document. C'était quoi le format encore? C'était de la 3 verticale. 200, voilà, 420, voilà, on est bon. Normalement, ça doit être bon. Voilà, OK. Je crée un bloc image. J'importe le montage. Et je vais finaliser la fiche là-dedans. Donc, c'était celle-là. Voilà, je pense. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Là, voilà. Voilà. Alors, là, j'ai la possibilité d'aller manipuler l'image et d'aller l'agrandir. L'agrandir, tester le cadrage. Voilà, tester le cadrage. Qu'est-ce qui va donner le mieux? Est-ce que c'est comme ça? Et est-ce qu'il faut agrandir encore plus? Est-ce qu'on laisse tomber une partie? Voilà. Vous allez finalement trouver le cadrage de votre illustration qui vous convient le mieux. C'est vraiment un acte créatif de laisser tomber une partie et de ne garder que ce qui donne bien au niveau composition. Je vais enregistrer ça rapidement, le document InDesign. Donc on va dire que c'est la fiche 2. Voilà. Et au moment de l'exportation, déjà on peut aller voir, tiens, qu'est-ce qu'il est arrivé à la résolution de l'image. Pour ça, on va dans la palette liens. Et on va aller voir ici la résolution effective. Ça vous dit quelque chose, ça? Qu'est-ce qu'il y a comme nombre de pixels par pouce dans le document InDesign ici? Dans le fichier Photoshop, il est indiqué 36. Ça n'a aucune importance. Il pourrait être indiqué 12, 36, 150, 300, 3000. Aucune importance. Ce qui compte, c'est l'image qui fait ici, mon image qui finalement dans Photoshop faisait 9000 sur 7000. Quelle est sa densité de pixels dans le document InDesign? 256, c'est tout à fait acceptable. On est proche de 300, c'est bon. Et ce qu'on va faire ici, c'est faire le PDF, fichier exporté, le PDF pour l'impression. Et tant qu'à faire, si l'imprimeur demande un CMJN 300 pixels par pouce, au moment de l'exportation ici, à sortie, on va indiquer sortir, convertir vers la destination. Voilà, convertir vers la destination. Et l'imprimeur vous dit, tiens, en fonction du type de papier que tu as utilisé, c'est la norme Fogra 39. Eh bien, on va générer les quatre couches d'encre Fogra 39 CMJN là, en fonction de la norme Fogra 39, la quantité d'encre nécessaire pour que les couleurs que vous avez vues sur l'écran soient reproduites le plus fidèle possible sur le papier que vous avez choisi. Ici, à compression, on va demander un échantillonnage à 300 pixels par pouce. C'est-à-dire que si l'image avait plus que 300 dans le document InDesign, elle va être ramenée à 300. Si elle a moins, elle va être ramenée à 300. À l'exportation PDF, on fait à la fois une conversion CMJN et transformer l'image vers la bonne résolution. Franchement, si vous travaillez comme ça, ça va être beaucoup mieux au niveau créatif pour vous d'avoir cette logique que dans Photoshop, vous ne faites pas dans le format imposé, vous faites à peu près. Vous ajoutez de la zone s'il faut, vous testez, vous mettez vos éléments et vous savez que dans InDesign, vous allez recadrer, que vous allez pouvoir faire plein de tests dans InDesign pour le recadrage, voire même différentes versions à discuter avec le client. Voilà. Donc, ça c'est l'effet fenêtre, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une boîte avec des objets à l'intérieur. On a beaucoup de choses qui sont coupées. C'est comme si c'était une fenêtre ouverte sur la réalité. C'est vraiment ça, un des secrets pour faire des bonnes affiches. C'est-à-dire que... Mais ceci dit, bon, tout existe. On peut rechercher l'effet boîte aussi. Mais moi, je vous conseille de recadrer vraiment, ça donne une autre dimension à vos travaux.